Après Zinedine Zidane ou Soprano, le professeur Didier Raoult sera-t-il la nouvelle personnalité à tenir l'affiche sur la corniche Kennedy? Beaucoup de Marseillais le réclament. Il est indéniablement le nouveau héros de la cité phocéenne. Et même lorsque les études s'enchaînent contre sa bithérapie, même lorsque l'OMS arrête les essais avec l'hydroxychloroquine, leur soutien est inébranlable. Oh ben c'est un type formidable, oui. Je suis à fond derrière lui et j'écoute ce qu'il dit parce que ben, ça a fait ses preuves quand même. C'est dommage qu'on en vienne là et qu'on devrait être tous pareils et pas faire ces petites guerres de clans là. À l'Institut Hospitalo-Universitaire, quelques Marseillais continuent quotidiennement à venir se faire dépister pour bénéficier si besoin du traitement du professeur Raoult. Parce qu'il est difficile de prouver qu'il a pas raison. Quand on voit les profits que font tous ces laboratoires et le prix du médicament là, on peut se poser des questions quand même. Je suis à moitié surprise. Il y a trop de financement, trop de magouilles, trop de laboratoires en jeu, politiques et financiers. Pour certains Marseillais, ces attaques anti-Raoult sont le résultat d'une guerre de laboratoire. Pour d'autres, il s'agit simplement du nouveau conflit Paris-Marseille. Oh, ça continue. Je ne parlerai pas de guerre. Non. Aujourd'hui, on est le 26 mai, à jamais les premiers.